Salut les athlètes, c'est Jérém de JFIT. On se retrouve une nouvelle fois, un dimanche matin, au stade, pour une séance spécifique 10 km. Aujourd'hui, on part pour 8 fois 1000 allures course. Donc on va viser 3,50 puisque l'objectif, c'est moins de 40 minutes avec mon pote Nabil à Saint-Médard dans 2 semaines maintenant. Donc on va partir sur 3,50 sur le premier et puis on verra, on adaptera si besoin. Là, on a fini le footing, on va faire des gammes et après, c'est parti. Là, on est dans la troisième portion, troisième mille. Pour le moment, ça passe en 3,50. Impeccable. On va essayer de continuer sur ce rythme pendant les 6 qui restent. Et de 4, on a fait la moitié. Oh la vache, punaise, ça pique. 3,50 encore une fois. On récupère marcher tranquillement. Allez, on est à la moitié. C'est une séance qui est longue, hein. L'air de rien, 8 km, allure 10 km, très exigeant même s'il y a la récup d'une 30 entre chaque portion. C'est une séance que j'ai prise un peu comme une compète sur la prépa. Hier, je me suis pas trop reposé, on a vadrouillé en famille, mais ça va, c'était pas non plus. On n'a pas fait un trek. Niveau nutrition, hier c'était très bien. Ce matin, un bon petit déj, le petit shaker avec le café. Donc voilà, faut mettre toutes les chances de son côté, même si on est sur une simple séance d'entraînement. Allez, on va repartir pour la deuxième série de 4. En plein dans la cinquième. Allez, gars, allez, on souffle bien, on continue, allez. Allez, sixième, toujours en 3,50. Ça tient. Après, 3,50, je me dis que c'est, ça fait 38,20 sur 10 km. Ma foi, c'est pas mal comme allure. Allez, plus que deux. Allez, on est dans la 7ème et 8. Avant-dernière répétition. Ça pique. Il reste 200 mètres. Ah punaise, allez, plus qu'une. Donc je vous disais juste avant, j'ai été coupé par le temps de récup. Ça ferait 38,20 sur 10 km. En partant sur 3,50 en allure. Ma foi, ouais. Franchement, je prends, surtout à peine 48 heures après un match de foot vendredi soir, pendant lequel je me suis détruit les adducteurs. Ça tire encore un peu à droite, mais la journée de repos d'hier a permis de se reposer. Allez, plus qu'une. Et vu que les copains, il en reste une et demie, voire deux, je pense que je ferai une dernière à leur rythme, histoire de les accompagner. Mais du coup, ce sera quand même plus cool, ce sera plutôt allure marathon, ça fera pas de mal. Allez, il reste 120 mètres. C'est la dernière. Ah la vache. Ah la vache, les amis. Ah, c'est la pique. 3,40, 3,42 sur la dernière portion de 1000. Je suis séché. Allez, comme prévu, on va accompagner Camille et Freddy sur leur dernière portion. Ça va être un peu plus cool pour moi. Ouf. J'espère que je n'ai pas ça. J'ai joué. C'est top. J'ai joué. Bon bah voilà, on est sur le chemin du retour. En footing, tranquille, avec tout le. Avec le gros sac à dos, avec la GoPro, tout ça dedans. Enfin la GoPro est dans ma main là, mais la perche, la veste, la bouteille d'eau. Et tutti quanti. Donc 8 fois 1000. Oui, 8 fois 1000. 8 fois 1000. Donc des temps de passage assez réguliers, je pense. Je regarderai, je mettrai la capture d'écran de Garmin pour vérifier ça ensemble. Mais séance très sympa. Alors, séance à réaliser, moins d'un mois de la course, du 10 km, pour voir où vous en êtes sur l'allure de course.
c'est pas la peine de faire cette séance en début de prépa, puisqu'en début de prépa vous n'êtes pas censé courir à votre allure d'objectif. Mais là nous on l'a fait 2 semaines avant la course, c'est pas mal. 3 semaines je pense que c'est bien, parce que ça peut permettre de 3-4 semaines même en milieu de prépa, en deuxième partie de prépa, ça permet de pouvoir recalibrer la fin de prépa si besoin. Parce que là c'est vrai qu'il reste 2 semaines, donc s'il y a besoin de changer l'allure 10 km, c'est compliqué, parce qu'il reste une séance avec de l'allure spé qui sera dimanche prochain, donc ça fait un peu de just. Mais là clairement mon pote Nabil veut faire moins de 40 minutes, pas 4 heures, donc 3,59 au kilo. Là j'étais en 3,50, 3,52 je pense, 3,40, 3,42 sur le dernier, donc voilà, 3,59 ça devrait passer, pas facilement, mais ça devrait passer plutôt bien. Je serais plus sur mon allure presque semi, je serais au seuil quoi, donc ça devrait très bien se passer normalement. L'idée c'est de l'emmener sous les 40, évidemment je vous emmènerai avec moi, mais en attendant on rentre à la maison tranquillement en footing pour décrasser un peu et faire des bornes en vue de la prépa marathon hein, pour Royan fin mec. Vous pouvez retrouver dans les épisodes de la mini-série Objectif 3 ma préparation pour Royan. Allez, sportez-vous bien les athlètes, à très vite, ciao ciao.